voisin, je fais ça à la rue. Très sobre. Presque rien, tu sais. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette boule qu'on appelle la terre. Et même ceux que nous admirons sont plus à l'abri de la misère. Tenez dans le milieu l'autre jour, elle me dit juste à la pendule. Ce bruit affreux n'a fait qu'un tour. On a fauché la vague à Jules. Jules, c'est un caïd d'une terreur, mais un malin presque un artiste. Un gars qui fait jamais d'erreur. Une mine d'or pour les journalistes. Pour une fois qu'il se faisait masser des talons à la clavicule, complètement nu comme vous pensez, on a fauché la bague à Jules. Une petite bague de rien du tout, 200 grammes d'or autour d'un diamant, des petits saphirs un peu partout, seulement la bague lui venait de madame, qui un jour de son ton gardé, au respectueux, qui déambule, a dit mesdames, c'est décidé, on va acheter la bague. La scousse, les manœuvres du trottoir, les doigts rires de la passe bourgeoise, les belles de nuit, les belles de jour, les pourpois et les vraies douariennes, tout ont fait des trucs effrayants, afin d'arrondir leur PQ. C'est fou ce qu'on a crevé de clients, rien de courageux, la bagageuse. Mais depuis qu'on a barboté l'ornement de son auriculaire, la clientèle peut s'approcher, pas même un effort pour lui plaire. Et malheur à celui qui dirait, comme sa vêtement, sans préambule. Non mais, je demande pardon, madame, madame, je me rappelle plus ce qu'il lui demande. Mais c'est vrai, c'est ça, qu'on l'a fauché, cette bague. Et je lui-même, c'est pire encore, il eût su dire bonjour au pote, il sait plus quoi faire de son corps. Quand il est tout seul, il sanglote. L'après-midi, quand il est levé, d'un air penaud et ridicule, il va voir aux objets trouvés, s'il n'y aurait pas des fois la bagageuse. Tenez l'autre fois, n'y pouvant plus, tremblant comme un calajonis, et cachant ses gros doigts poilus, il est allé à la police. Et là, au commissaire soufflé, il est dit tant pis, c'est aigu. Il y aura 10 sacs pour le poulet qui rapportera la bagage. Et pendant ce temps-là, pas bien loin, le fortiche qui a franchi la vague se console tout seul dans son coin de l'énormité de la blague. Car sa loupe lui a révélé la vérité sur le bidule. Dans l'histoire, tout le monde est volé. Elle était fausse. Elle était quoi? Tout ce qui compte, c'est la prononciation. Elle était fausse. Vous le saviez? La bague à Jules.